La ville est un récif artificiel dont les édifices et les jardins sont le corail. Une idée de l'homme que certains animaux sauvages se sont appropriés. Pour quelles raisons sont-ils là, si proches de l'homme et de son vacarme? Ne serait-il pas mieux à la campagne, parsemé de fleurs, d'arbres et d'étangs? Quant à moi, avec mon statut de chat de gouttière, je suis un pont, une passerelle entre l'homme et la vie sauvage, au cœur de la cité. Je m'appelle Mistigri et je suis né sous les toits d'une belle ville. Sophie donnait depuis quelque temps un peu de lait à cette chatte pleine qui venait parfois la visiter. Lorsque le temps le permettait, elle nous installait sur les toits. Et je fus le dernier chaton à rester dans la caisse. J'ai grandi à côté de Sophie, dans cet appartement du centre-ville, m'imprégnant au fil des mois de toutes ses connaissances. Peu à peu, la ville m'attirait et je m'y aventurais, mettant en pratique mes leçons de sciences naturelles. Mais récemment, Sophie, qui a pris sa retraite, m'a fait part de son intention de s'installer à la campagne. « Nous vivrons plus près de la nature », m'a-t-elle dit. « La suivrai-je hors de la cité ? Je ne sais pas encore. » C'est le printemps. L'homme se souvient du soleil. Comme l'araignée, le lézard ou l'escargot caché pendant l'hiver, il sort de sa maison. Il investit d'autres écosystèmes. Dans les parcs et les jardins, les oiseaux, eux, s'affairent. Leurs activités sont toutes tournées vers la reproduction.
construire leur nid, les oiseaux doivent trouver dans la ville les matériaux de construction. Parfois, petits débris issus de l'activité de l'homme. J'ai rencontré en ville plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux. Certains, les sédentaires, sont présents en ville toute l'année, comme ici un rouge-gorge, ou là une mésange bleue, puis une petite mésange charbonnière avec son masque de Zorro. Des oiseaux que je connais bien, disons, de près. J'ai trouvé aussi une bergeronnette des ruisseaux, en plein cœur de la ville. Elle vit les pattes dans l'eau. Drôle d'idée. Et comme d'autres espèces d'oiseaux, elle vient se reproduire sur les lieux qui l'ont vue naître. Les hommes qui veulent tout savoir et tout nommer appellent ça la philopatrie. La percheronnette des ruisseaux est donc philopatriote. Et puis, il y a les visiteurs d'été. Les gobe-mouches gris ou noirs sont mignons à croquer. Bien plus rare dans les centres-villes, l'hirondelle des fenêtres a quitté l'Afrique pour venir se reproduire chez nous, en Europe. Il profite ainsi de l'éclosion de la vie que génère notre printemps. Tous les ans, Sophie dit, au printemps, la ville se remplit d'oiseaux. Tiens, un merle. Le merle, comme d'autres espèces, ne vivait autrefois que dans les forêts. Pourquoi est-il devenu l'oiseau le plus connu des citadins ? La tourterelle turque était absente de France il y a 50 ans. Cette espèce venue d'Inde s'est propagée vers l'Europe occidentale comme une maladie plutôt distinguée. En fait, il semble qu'elle suive l'expansion de l'homme et donc des villes pour étendre encore son territoire. La tourterelle turque, c'est pour moi du gros gibier. Oh, et là, juste sur sa droite, c'est le gobe-mouche noir. Vous le voyez ? Avec ses liserés blancs, là, c'est facile. Oh, et hop, le voilà. Vous avez vu ? Il fait une petite pirouette. Et voici Homo sapiens, bien plus grand, portant toujours avec lui tout un tas d'équipements pour améliorer ses propres performances. Mais j'y reviendrai. Espèce invasive également, avec aussi du toupet. Les pigeons ramiers, autrefois si sauvages, ont également investi la ville, accomplissant entre avril et octobre plus de 3 nichées. Pour la grande majorité des espèces, c'est bien la présence de ressources alimentaires disponibles même au cœur de l'hiver qui est la raison essentielle de la venue des oiseaux dans les villes. Il faut y regarder de près pour comprendre ce qui se trame en ville, être aux aguets et se poser des tas de questions. Lui, par exemple, avec son allure de casse-croûte, que fait-il ? Où va-t-il ? Et pourquoi fait-il cela ? Comme le merle aussi. Un nid propre pour des oisillons en bonne santé.
La faculté d'adaptation de certains oiseaux est parfois étonnante. Au fil des générations, ils changent de comportement, s'approprient la ville, et ils transmettent peu à peu à leurs descendants ces nouvelles facultés pour bien vivre dans l'écosystème urbain. J'aime bien ces mots, charbonnière, écosystème, philopatrie. Ils donnent envie d'en savoir plus. À ce sujet, j'ai lu dans les bouquins de Sophie que cette relation entretenue par certains animaux avec une autre espèce, sans lui nuire, en profitant de la nourriture qu'elle leur fournit, s'appelle le commensalisme. Bien des animaux des villes sont donc commensaux de l'homme. Je suis donc, pour l'instant, le commensal de Sophie. En échange d'un peu de chaleur et de quelques croquettes, j'apporte du réconfort et une place nette au niveau des souris. Sophie trouvera-t-elle un autre commensal si nos chemins se séparent ? La faible quantité de prédateurs incite également les oiseaux à s'établir en ville. Bien que, à la poursuite des oiseaux des jardins de plus en plus nombreux, les prédateurs commencent à infiltrer l'endroit. Milan noir, pie, geais des chênes, faucons et choucas. De plus en plus de grands oiseaux patrouillent en ville. Comme en pleine nature, la venue des uns entraîne l'arrivée des autres. De nouvelles espèces viennent s'intégrer dans la chaîne alimentaire. Et peu à peu, nous autres, les chats, perdons notre monopole. Attention les petits, la pie rôde et le geais maintenant aussi. Gardez bien vos œufs et vos oisillons. J'ai quelques amis qui feraient bien leur connaissance. Je n'aime pas trop ces grands oiseaux qui viennent chasser sur nos terres urbaines. Qu'ils aillent à la campagne au nom d'un chien. On n'a besoin de personne ici pour réguler les espèces. Pour preuve, nous les chats, tuons en moyenne 5 oiseaux par an et par personne. Enfin, si je puis dire. Il y a sans doute plus de 3 millions de chats urbains en France, qui tuent donc 15 millions d'oiseaux. C'est dire si des oiseaux dans les villes, il y en a. Mon intérêt pour ces volatiles n'efface pas ma neurasthénie. Bientôt, je devrais partir. Quitter la ville pour la campagne, c'est Sophie qui veut ça. Moi, j'aime tant la ville. Soigner le mal par le mal. Aller au bout de mon spleen. Pour cela, j'ai donné rendez-vous ce soir à Max, un matou peu fréquentable, dans un quartier près du fleuve. Ce fleuve qui fait entrer dans la ville bien des espèces animales.
je lui ai promis de lui faire découvrir le territoire des rats, une de mes spécialités. Autrefois dans les villes était Ratus ratus, le rat noir, appelé aussi rat des greniers. Très commun au Moyen-Âge, le rat noir amena la peste en ville. Et puis, au XVIIIe siècle, une nouvelle espèce est amenée d'Inde, par les bateaux, le rat brun, plus fort et plus prolifique. Il repousse le rat noir hors des villes pour profiter de ce garde-manger par excellence. Le rat noir investit la campagne pour devenir le rat des champs. Et moi, si j'accompagne Sophie, que deviendrai-je? Du chat de gouttière au chat des champs? Je connais bien ces hommes. Les équipes interviennent ponctuellement avec distribution d'appâts empoisonnés à la strychnine. Mais les rats ont du talent lorsqu'il s'agit de survivre. Par exemple, certains endossent le sale rôle de goûter la nourriture suspecte. La population de rats dévore chaque jour dans une grande ville européenne plusieurs dizaines de tonnes de déchets organiques, de vraies poubelles. Mais s'ils n'étaient pas là, les canalisations d'eau usées des grandes villes seraient en permanence bouchées. Dans ce biotope qu'il a construit, l'homme n'aime pas le rat, qui n'en pense pas moins. Relation réciproque de haine et d'intérêt. Personnellement, j'aime bien les rats. Morts. Je suis ressorti à la surface de la ville, au-dessus de la grande dalle urbaine. Peu à peu, ma mélancolie se dissipait. Max avait filé chez lui dans son quartier avec, soi-disant, des comptes à régler. La ville me passionne. Un véritable biotope, dominé par Sapiens. Au sein du règne des vivants, il est une espèce ingénieure. Tel le castor qui crée de toutes pièces son milieu de vie, l'homme a bâti les villes. Il a créé un autre milieu de vie, un écosystème à son avantage. Jadis, l'homme a construit des villes pour se protéger du monde sauvage. À l'inverse, aujourd'hui, il souhaite lui faire un peu de place. Instinct de conservation. Coupé de la nature, l'homme risque le dysfonctionnement. Preuve supplémentaire qu'il en fait partie. Un maillon fort et peu discipliné. Et parfois l'homme me sidère et me hérisse le poil. Pour alimenter la cité, il fait entrer de l'eau, de la nourriture et de l'énergie qu'il va chercher loin. Digérant difficilement les résidus de son avide consommation, la ville rejette vers l'extérieur ses déchets, parfois impalpables. Je ne me méprends pas. Et pourtant, j'ai confiance en l'homme, en sa formidable capacité à inventer, à trouver des solutions pour que la ville de demain trouve son équilibre avec la biosphère tout entière. Comme la nature en ville, l'observation de l'homme, pour moi, est aussi un passe-temps.
il a inventé dans la ville ce dont il a besoin. De l'utile pour poursuivre sa prolifération et des choses agréables pour la rendre plus supportable. Les jardins privés sont pour moi de véritables terrains d'investigation. Depuis que les premières fleurs du printemps sont sorties, c'est le balai permanent des petites bestioles. Il y a souvent plus de fleurs en centre-ville que dans les prairies des campagnes. L'homme, toujours plein d'idées, se préoccupe donc de renforcer la biodiversité en ville. Il propose à bien des espèces de s'y installer. Les abeilles y sont choyées. On incruste aujourd'hui pour elles dans les parcs des ruches de toutes sortes. Les abeilles et les bourdons entrent dans les jardins avec leurs culottes de pollen et participent à la fécondation des fleurs et des arbres fruitiers. On dit que le miel issu des ruches citadines est meilleur que celui des campagnes. Variété de fleurs plus importante qu'ailleurs, arrêt de l'utilisation des pesticides. Une bonne raison de rester en ville. Mais, depuis quelques années, le danger est omniprésent. Le frelon asiatique guette les abeilles devant les ruches pour les dévorer jusqu'à la dernière. Combien d'essaims sont décimés tous les ans? Mais l'on assiste récemment à quelque chose de remarquable. Les abeilles, désemparées face à cet ennemi qu'elles ne connaissaient pas, semble avoir trouvé une nouvelle parade. L'union fait la force. Devant l'inaptitude de l'homme à combattre cet ennemi invasif, elle semble avoir trouvé la solution, l'étouffement. Bien moins agressive, l'abeille charpentière, abeille perce-bois ou bourdon mauve creuse des galeries dans le bois que l'homme met à leur disposition pour y déposer ses œufs. Tiens, on le voit partout celui-là. Le Suisse, le cordonnier, le soldat, le masque nègre, le diable, le cherche-midi, le gendarme. Cette punaise des jardins se nourrit essentiellement de graines de tilleul, des sucs, des roses trémières et des altéas. Elle dévore également les œufs d'autres insectes et des cadavres de toutes sortes. Il y a ici beaucoup de gendarmes dans la gendarmerie. Les jardins publics, dont certaines parcelles sont mises en friche pour eux, vivent les plus gros coléoptères d'Europe. On disait autrefois que le lucane cerf-volant s'accrochait au cou des enfants et faisait tomber la fièvre. Mon œil.
rhinocéros ou dynaste, quant à lui, se nourrit de fruits et de nectar et peut se vanter d'être le plus fort du règne animal, puisqu'il peut soulever jusqu'à 850 fois son poids. Je vais donc me mettre aux fruits et au nectar. Nous autres, les chats, sommes de bons insecticides. Rien de tel qu'une bonne bouchée croquante d'araignée. Les araignées aiment la compagnie de l'homme. Elles tissent leur toile près des sources de lumière. La tégénaire est la plus commune. Inoffensive et craintive, elle peut atteindre 10 cm. Belle bête. Le phoque est un grand prédateur de guêpes et de tégénaires. Pas si rachitique que ça. Le faucheux, lui, mange surtout des cadavres. Et voici la pire des bestioles, le scutigère véloce. Il capture ses proies à la course. Il est très bon sur la mouche et le moustique à qui il injectera un venin par certaines de ses 30 pattes qui ont évolué en dards. Les mouches aussi sont charmantes. Elles appliquent de la salive sur la nourriture pour la ramollir et régurgitent des matières partiellement digérées pour les réabsorber ensuite. Trop chic. Dans les zones froides d'Europe, elles ne vivent qu'aux dépens de l'homme. Un bel exemple de commensalisme. Flavicode, qui vient du fleuve. Le scorpion flavicode, ou scorpion noir à queue jaune, est entré dans les caves des maisons installées près du fleuve à cette époque où la ville commerçait avec la Méditerranée. J'en ai vu un l'autre jour dans la cave de notre immeuble. J'étais au courant. Max m'en avait parlé de ces curieuses bestioles qui traînent en ville. On peut également retrouver ce scorpion en Provence, ou dans des villes portuaires nordiques, comme Londres, et dans certains ports de Belgique. Bien qu'agressif, sa piqûre est inoffensive. Manquerait plus que ça. En été, certains scorpions montent sur les toits pour faire le plein de chaleur. La ville est belle. Se promener sur ses toits vaut, je pense, bien des expéditions lointaines. J'ai rêvé que j'étais à la campagne et je m'ennuyais comme un rat mort. Lichen, mousse, prémices de la colonisation de la ville par la nature. Du minéral au végétal.
la pierre et le vulgaire béton participent à l'écosystème. Qui l'eût cru ? La ville à la longue s'abîme un peu, mais certains en profitent. La végétation urbaine est pleine de vertus. Elle absorbe et recycle le gaz carbonique issu des activités de l'homme. Elle rafraîchit et humidifie l'air citadin généralement trop sec. Elle atténue, absorbe les bruits de l'agitation de la ville. Buissons, arbres ou simples pots de fleurs. Les 1300 espèces végétales représentées en ville sont les supports de la biodiversité. Certaines soirées chaudes de l'été, j'aime bien monter sur les toits de la cathédrale pour regarder les martinets noirs voler. Les martinets noirs sont d'étranges volatiles. Ils restent 100 jours en Europe. Ils envahissent le ciel de nos villes de la troisième semaine d'avril à la première semaine du mois d'août. Et cela est réglé comme du papier à musique. Pour preuve, Sophie et sa sœur parisienne font un jeu. Tous les ans, au printemps, la première qui voit un martinet dans son ciel appelle l'autre et lui dit « Je les ai ». Les martinets viennent d'Afrique et leurs pouvoirs sont étonnants. La nuit, lorsque les conditions sont bonnes, ils montent dans le ciel et dorment en effectuant des vols planés circulaires. Je préfère de loin mon coussin chez Sophie. Un sacré voilier, ce martinet. Il peut parcourir, dit-on, plus de 300 000 km dans l'année et probablement plus de 600 km par jour. Il ne se pose que pour construire son nid, pondre, couver et nourrir ses petits. L'été est une saison d'échange. Les autochtones vont ailleurs et laissent la place aux touristes de tous bords. Max me rejoint parfois et nous patrouillons ensemble. Je me suis promené cet après-midi près du grand fleuve. Il étend son pouvoir sur toute la ville, au-delà de ses falaises de pierre. L'eau engendre la vie. Il lui donne, en termes de biodiversité, une richesse supplémentaire. Le milan noir guette les cadavres de poissons charriés par le fleuve. Au fil du vent urbain, il fait de larges incursions dans la ville.
la mouette, la lamproie et les alouses, les anguilles, les rats, les martinets, les hirondelles, les ragondins, les moustiques, les chauves-souris, tout le monde profite du fleuve. Il est tard. Sophie doit encore se demander où je traîne. Mais moi, j'ai envie, comme l'homme, de tout savoir. Voici donc les entomologistes urbains. Ils sortent par nuit chaude. Un anobide. À grands coups de piège à lumière, ils font l'inventaire des insectes du coin. Avec sa myriade de lumières, la ville attire toutes sortes de coléoptères et insectes, fourmis volantes, moucherons, éphémères, papillons de nuit. Sophie dit que cette masse vivante s'appelle le plancton aérien. Ce plancton, en suspension dans l'air, alimente notamment les hirondelles et les martinets, de nombreux poissons et amphibiens. La nuit, en ville, les chauves-souris et les araignées s'en régalent. Mon humeur vagabonde me tient à l'écart de mes obligations. Je ne peux pas laisser Sophie avec ce petit monde qui ne manque pas de sans-gêne. Les souris grises, ou souris des maisons. Mus musculus, comme disait Linné, se reproduisent encore plus vite que les rats. Maturité sexuelle dès la quatrième semaine de leur existence. 10 portées par an, près de 10 souriceaux par portée. Heureusement, tout le monde est à ses trousses pour lui faire la peau à la petite. L'homme, la chouette, le faucon et nous autres, les champions de l'attrape-souris. Ramenons son espérance de vie de 2 ans à 5 mois. Pression nécessaire pour limiter le développement des petites souris dans les villes. J'aime bien l'automne. Les hommes ont réinvesti la ville. Ils paraissent plus reposés, débarrassés enfin de leurs progénitures qui ont repris l'école. De la même façon, les oiseaux des jardins, libérés de leurs tâches parentales, se concentrent sur eux-mêmes. Ils envisagent l'hiver. Beaucoup d'oiseaux ont quitté la ville et le pays.
Les martinets, les milans, la plupart des gobe-mouches ont regagné leur pays d'hivernage. Les grives et les merles trouvent sous les tapis de feuilles mortes des petits invertébrés. Les araignées rentrent dans les maisons pour préparer la saison froide. J'aime bien aussi cette idée de rentrer au bercail, retrouver l'ambiance de l'appartement, la gentillesse de Sophie. Que ferais-je si je ne la suis pas dans ses projets? La vie sauvage en ville me plaît. Il me reste encore un peu de temps pour réfléchir. L'insecte mange la graine. L'oiseau mange l'insecte. Le rat mange tout, et puis c'est au rat de mourir. Manger. Et puis être mangé. Et moi, qui me mangera? Ne suis-je pas impliqué dans ce processus, l'un des maillons de la chaîne alimentaire de l'écosystème urbain? Allons, je n'ai plus peur de la ville, mais la campagne m'inquiète. À propos de campagne, lui aussi c'est de là qu'il vient. Les tourneaux s'en sonnaient, Sturnus vulgaris. Il porte en son nom le dédain de l'homme. À la campagne, paraît-il, c'est un oiseau de mauvais augure qui pille les récoltes et laisse présager de rudes hivers. C'est vrai que c'est un oiseau voyou. Il imite les klaxons et les carillons des portes. Cet oiseau-là est également capable de reproduire la voix de l'homme ou du chat. Il se déplace en marchant comme le ménate dont il partage la famille. À l'approche de l'hiver, seule la ville propose quelques degrés de plus. Déperdition de la chaleur des maisons, échappement des voitures, présence d'arbres à feuilles persistantes, faible présence de prédateurs. Les étourneaux ont tout compris. Je dois avouer quand même que certains soirs, les étourneaux m'étonnent. Venant de la campagne alentour où ils se sont nourris, les oiseaux arrivent en ville tous les jours au même moment, vers 17 heures. Les oiseaux se posent sur des pré-dortoirs situés en périphérie du dortoir final. Les tourneaux se rassemblent en grand nombre pour se prévenir des quelques rapaces qui traînent en ville. Pour cette espèce, une fois encore, l'union fait la force. Chez nous, les chats, c'est plutôt chacun pour soi. Et Dieu aussi. Les volées se concentrent. Deux ou trois vols principaux emmènent les autres. Les étourneaux cherchent à se poser. Mais ce n'est pas encore l'heure. Il faut rassembler, faire masse. Et puis soudain, alors que la nuit est là, tous les oiseaux se posent. Et pour dormir, plus on est de fous et plus on se tient chaud. Alors au bout de quelques jours,
dans les mairies des grandes villes, des coups de fil, des plaintes par centaines. Trop, c'est trop, dit l'être humain. La nature reprend parfois le dessus, même en ville. On déclare l'oiseau nuisible pour l'homme et c'est la guerre. Ce cri qui casse les oreilles, c'est le cri d'effroi du geai. Non pas que le geai soit un prédateur de l'étourneau, mais on sait que le geai est un indicateur pour les autres espèces. Le cri du geai signale un danger imminent. L'homme n'est jamais content. Il décide de tout. En veux-tu de la nature en ville ? En voilà. L'hiver est là. Mes sorties sont peu fréquentes et je n'ai pas vu Max depuis plusieurs semaines. Je profite de la chaleur de l'appartement puisque, quelle que soit ma décision, je ne vivrai plus ici. L'hiver en ville, la nature devient apparemment résiduelle, une vraie peau de chagrin. Les regards se détournent du ciel sans volume. Les arbres s'isolent. Les espèces sédentaires s'appliquent à rester en vie. Mais c'est qu'une petite mésange peut perdre jusqu'à la moitié de son poids le temps d'une seule nuit glaciale. Dès les premières lumières, elle doit absolument trouver de la nourriture. En décembre, la ville prend sa dimension de fourmilière, de refuge. L'homme, vaillant et plus interventionniste que jamais, s'occupe. Il habille la cité et s'émerveille de la lumière qu'il fait. Serai-je encore là l'hiver prochain? Je l'espère. Les saisons nous donnent la mesure du temps. Comment expliquer ce sentiment, parfois, de n'être que l'infime particule d'un monde énorme, complexe, évolutif? La ville est gaie. Tonique à l'air frais du printemps, illustrant bien cette perpétuelle régénérescence de la nature dont nous faisons partie, tout urbain que nous sommes. J'ai laissé partir Sophie. Elle a quitté la grande métropole sans moi. Elle avait fait son choix, et j'ai fait le mien. Je n'ai pas voulu m'éloigner d'ici, car c'est dans la ville que le monde avance. La ville est l'avenir de l'homme,
m'a dit Sophie un jour, pour contenir son expansion, sans trop empiéter sur la campagne. Faut-il encore que les villes soient respirables, fréquentables ? En y faisant entrer la nature, l'homme profite de ses vertus. Il renoue avec des règles originelles et prépare la cité de demain. Et ce sera bien pour tout le monde. Quant à moi, je reprends mon statut de chat de gouttière, libre. J'ai, en ville et avec Max, tant de choses encore à découvrir.